L'amour est dans le pré, 2024 touche bientôt à sa fin. Et cette saison aura particulièrement ému les téléspectateurs. Âgée de 21 ans, Flavie a profité de sa rencontre avec Karine Lemarchand pour rassurer sur son état de santé après avoir affronté un sarcome qui lui a été diagnostiqué pendant l'émission. La jeune femme a pu compter sur le soutien indéfectible de son compagnon tout au long de cette période difficile. Heureusement, tout va désormais beaucoup mieux, comme l'a confié Valentin. Et malgré les centaines de kilomètres qui les séparent, leur quotidien s'organise. Le 19 novembre 2024, dans une interview accordée par Valentin à nos confrères de Pure People, il s'est confié sur son avenir avec Flavie. Été 2024, Flavie était en convalescence chez Valentin, mais aujourd'hui, les moments à deux se font plus rares. « Je ne la vois plus que le week-end. On est à moins de 2 heures l'un de l'autre », a-t-il révélé. Toutefois, cette séparation ne devrait plus durer longtemps. Le couple a prévu d'emménager ensemble dans quelques mois. « Au printemps ou dès la fin de l'hiver, on va dire », précise Valentin. Il admet cependant ressentir une certaine appréhension. « L'arrivée d'une femme dans ma vie, ça a causé beaucoup de changements. On ne va pas se mentir. J'appréhende un peu la vie à deux, ça va remettre un coup. » Interrogé sur l'avenir de leur relation, le Manchois se montre pragmatique. Si Flavie semble déjà rêver de mariage, lui préfère attendre. Elle a envie de se marier, moi je ne suis pas forcément prêt. Je ne suis pas contre, mais je me dis que ça ne sert à rien, on va déjà vivre à deux. Mais on verra bien, on n'y est pas encore. Quant aux enfants, c'est un projet envisageable, mais pas dans l'immédiat. En raison du traitement contre le cancer de la jeune femme, cela devra attendre. De toute façon, pendant 2 ans, ce n'est pas possible à cause de son traitement. Le temps de se poser avant d'envisager plus.